Mon père m'a appris que les dieux déterminent notre destin, mais que nous restons libres de nos actes. Votre destin était d'être empereur, le mien d'être soldat. Le sens de l'honneur de mon père l'a poussé à servir le peuple. Mais nous, qu'est-ce qui nous a conduits sur ce chemin? Qu'est-ce qui a fait de nous les hommes que nous sommes? Mon histoire commence il y a une dizaine d'années. Père. Marius ? C'est bon de te revoir. Alors de quoi ai-je l'air ? Regarde-moi, un vrai soldat romain. Tu as l'air en forme, mon fils. Sois le bienvenu. Bienvenue chez toi. Sais-tu où on va t'envoyer ? En Alexandrie. Ah, l'Alexandrie, c'est une province paisible. Ta mère sera ravie. N'ai pas rejoint l'armée pour musarder au soleil, père. Je veux me battre, comme toi, pour l'Empire. Chaque chose en son temps, mon fils. Il faut être patient. Et n'oublie pas, tous tes ennemis ne sont pas sur le champ de bataille. Père ? Marius ! Oh. Laisse-moi te regarder. Oh. Comme tu es beau. Mère, je t'en prie. Ta sœur a hâte de te voir. Ils se verront bien assez tôt, mon amour. Pour l'instant, je dois m'entretenir avec mon fils. Bien. Je vous laisse. Je vais chercher ta sœur. Quelque chose ne va pas, père ? Chaque chose en son temps. Pour l'instant, montre-moi ce que tu as appris. Tiens-toi prêt. D'abord, brise ma garde. On recommence. Encore une fois. C'est bien. Bravo, mon fils. Recommence, mais ce coup-ci, frappe-moi 3 fois. Débloqué, recommence. 3 touches, ou ça ne compte pas. Allez. Encore une fois. 3 fois, Marius. 3 fois. Encore. C'est excellent. Tiens-toi prêt. Tu n'as qu'un court instant pour placer ton coup. Concentre-toi. Attends le bon moment. Réessaye. Choisis le bon moment. Réessaye. Pas comme ça. Réfléchis avant de frapper. Vas-y. Brise ma garde. Non, ça ne va pas du tout. Allez, brise ma garde. Tu sais comment faire. Yeah!
Parfait. Allez, enchaîne tes coups. Une attaque combinée. Allez, laisse aller, Marie. Attends le bon moment et frappe. Encore, enchaîne tes coups. Place le bon coup au bon moment. Essaie encore. Tu dois briser ma garde avant de me frapper. Reste maintenant. C'est ça. Très bien. Je suis à la fois triste et fier. Aujourd'hui, le fils a battu le père. Tu sais manier l'épée, c'est vrai. Mais ne la brandis pas à la face du monde. Commence toujours par te présenter paume ouverte. Viens, marchons. Le bruit court que la situation à Rome est des plus instables. Oui, nous vivons une période de troubles. Ces élections pourraient tout changer. Je te remets à mon tour ce que ton grand-père m'avait autrefois remis. Quand l'heure sera venue pour toi de commander des hommes, rappelle-toi ce que je vais te dire. La légende raconte que Damoclès était un grand guerrier. Un chef vénéré par son armée. Lors d'une bataille, ses commandants l'abandonnèrent à son sort. Quand Damoclès arriva aux enfers, Némésis, déesse de la vengeance, fut prise d'une rage folle en apprenant le triste sort qu'on avait réservé à ce héros. Elle permit donc à Damoclès de regagner le monde des vivants sous la forme d'un esprit vengeur. Un centurion fantôme en armure noire qui n'aurait de repos qu'après avoir poursuivi et tué tous les généraux qu'il avait trahis. Aujourd'hui encore, de nombreux commandants portent une dague au fourreau ornée de l'image de Damoclès. Cette arme est là pour leur rappeler de toujours veiller sur leurs hommes, s'ils ne veulent pas que le centurion à l'armure noire vienne un jour venger les victimes de leur égoïsme. Septima, les barbares, suis-moi! Tous, jusqu'au dernier.
passe. Tuez-le. C'est ça. Sois bien moi. Pendant que tu peux. Écoute, ils veulent notre peau, Marius. Il faut aller au Sénat pour sauver les miens. Rien que toi et moi. Allez, Marius. Égorgez ce Romain. Par là, c'est la voie de ton destin. Cours. Ah!
Darius, par ici! Chez Platius, à l'amphithéâtre. Amène-le au forum. Nous protégerons votre père. Allez-y. Qu'est-ce que tu attends? Le public s'impatiente! Je vais te découper en deux! Ah!
Marius, par ici. Père! Ils arrivent, Marius. Ils sont après nous. Marius, fais demi-tour et abaisse le pont. Abaisse le pont, Marius! Aide-moi à passer! Continue! Va au forum, Marius! Ne t'arrête sous aucun prétexte! Yeah!
Ta volonté, père. Je sauverai Rome des barbares. Je ferai couler leur sang. Je suis le commandant Vitalion de la 14e. J'ai combattu aux côtés de ton père. S'il faut verser le sang, je te promets qu'ensemble, nous en ferons couler des torrents. T'es dans la 2e, n'est-ce pas ? Oui, commandant. Plus maintenant. Bienvenue dans la 14e, soldat.